Voice of Indonesia. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers auditeurs. Nous nous rencontrons encore à la Voix de l'Indonésie avec moi, Audrey. Et comme d'habitude, nous avons le programme d'entretien spécial. Et ici, avec nous, nous avons Monsieur Jules Irman, conseiller de coopération et d'action culturelle, et il est aussi directeur de l'Institut français d'Indonésie. Bonjour, Monsieur Jules. Bonjour. Merci. Vous venez ici dans notre studio. Je vous en prie, merci à vous de m'accueillir. Donc, Serge Etard, nous avons le thème de discussion intitulé « Le rôle de l'IFI dans les échanges culturels franco-indonésiens ». Monsieur Jules Irman, pouvez-vous nous raconter l'histoire de l'Institut français en Indonésie et quelle est sa vision et sa mission ? Alors, l'Institut français d'Indonésie a une très longue histoire, puisque il remonte à la création des centres culturels français à la fin des années 1960. Donc il y a maintenant à peu près 60 ans. Et tous ces centres culturels français qui sont situés à Jakarta, à Bandung, à Surabaya, à Yogyakarta, ont été rebaptisés Institut français en 2012. Voilà. Le réseau culturel de l'ambassade de France en Indonésie, ce sont les instituts français, mais ce sont aussi les alliances françaises. Et donc, nous avons des alliances françaises à Medan, à Bali, à Semarang et à Makassar. Voilà. Donc, c'est un grand réseau culturel parce que nous voulons être présents dans tout le pays pour pouvoir profiter de la magnifique culture indonésienne et pour, c'est la mission de l'Institut français et du réseau culturel, pour présenter la culture française et la langue française à tous ceux que cela intéresse. Donc parlons de la coopération culturelle, ce que vous avez dit tout à l'heure, dans la réalisation d'activités socio-culturelles et éducatives, par exemple, les filles collaborent-elles avec les partis indonésiens également ? Pouvez-vous dire quelles activités ont été réalisées ? Alors oui, notre approche aujourd'hui en matière culturelle et de projets culturels, en matière de mobilité étudiante aussi, elle est 100% partenariale. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas faire les choses seuls, nous souhaitons faire les choses avec des partenaires indonésiens. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Indonésie est un grand pays qui sait ce qu'il veut, donc on trouve que c'est normal de travailler comme ça. Et puis en plus, parce qu'on est certain, lorsqu'on travaille en partenariat, de faire des choses qui sont intéressantes pour les Indonésiens, puisque nos partenaires sont indonésiens. Donc nous faisons, nous menons nos actions en partenariat. Alors par exemple, en partenariat pour la langue française avec les départements de français des universités, avec les lycées qui enseignent le français, en matière culturelle, en partenariat pour le cinéma, avec la chaîne de salles de cinéma Cinéma 21, et avec Click Film pour les vidéos à la demande, et nous aurons bientôt un festival du film, le festival du film français qui va continuer. En matière de partenariat, toujours avec les restaurants, les SMK, les polytechniques, pour la semaine Goût de France de la gastronomie française qui vient de se terminer hier. Sur tous ces sujets, nous sommes en partenariat avec des Indonésiens pour mener à bien ces beaux projets. Ok. Donc, parlons de toutes les activités de l'IFI. S'alignent-elles également sur les politiques du gouvernement indonésien et sur d'autres thèmes mondiaux ? Alors, je prendrai l'exemple de la mobilité étudiante. C'est une de nos priorités, c'est de promouvoir les échanges d'étudiants entre la France et l'Indonésie. Avoir plus de jeunes Indonésiens qui aillent étudier en France, plus de jeunes Français qui viennent étudier en Indonésie. Pourquoi ?
parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la relation bilatérale, et donc il est très important que les jeunes se connaissent, connaissent nos pays respectifs. En matière de mobilité étudiante aujourd'hui, si je comprends bien les priorités du gouvernement, c'est l'entrepreneuriat, et nous avons d'excellentes écoles de commerce en France, très très connues. C'est l'économie bleue et l'économie verte. Nous avons également des universités spécialisées, des centres de recherche spécialisés, et nous attribuons chaque année des bourses pour suivre ce genre d'études. La priorité, c'est également les industries créatives, le jeu vidéo, le cinéma, par exemple, la mode, le design. Nous avons en France quelques-unes des meilleures écoles au monde pour cela. Et donc, là aussi, nous souhaitons, en partenariat, avoir plus d'étudiants qui partent en France. Et la priorité, c'est également le tourisme, puisque c'est un secteur important de l'économie indonésienne aussi. Et ça aussi, nous avons des écoles d'hospitalité, comme on dit, hôtellerie-restauration, comme on dit en bon français. Et donc là, nous avons également, nous souhaitons également travailler en partenariat. Et c'était d'ailleurs l'idée de cette semaine de la gastronomie que de travailler avec des SMK, avec des polytechniques, pour leur faire profiter de l'expertise de chefs de cuisine française. Pas seulement de chefs français, de chefs français et indonésiens de cuisine française. Monsieur, parlons de relation des chances de la bourse d'études, ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez les données, il y a combien d'étudiants indonésiens que vous avez déjà aidé ou assisté à entrer dans l'université en France, par exemple? Alors, je n'ai pas de chiffres précis là-dessus, mais tous les ans, ce sont 500 étudiants indonésiens qui vont en France. Alors, c'est pas mal, mais c'est très peu par rapport au nombre d'étudiants indonésiens. Donc, nous souhaitons augmenter ce nombre et donc mieux faire connaître les universités françaises et aussi inciter les jeunes indonésiens à aller à l'étranger, à avoir cette expérience de partir étudier à l'étranger, parce que je pense que c'est quelque chose d'abord qu'il vaut mieux faire quand on est jeune, parce qu'on a quand même plus de possibilités, et puis parce que c'est important d'avoir une expérience différente, de découvrir une autre culture. On est dans un monde qui est très interconnecté, et donc c'est bien d'avoir cette vision culturelle différentes, surtout quand on vient d'un pays qui, comme l'Indonésie, a une culture très ancienne, donc on a des racines très fortes, je pense, et donc c'est bien de s'ouvrir au monde pour découvrir d'autres cultures. Monsieur, en fait, nous voulons discuter beaucoup de choses, mais le temps, je crois que c'est arrivé déjà pour la dernière question. Donc, parole finale pour les auditeurs de la Voix de l'Indonésie concernant de la relation de coopération culturelle entre la France et l'Indonésie. Votre parole. Alors, la France et l'Indonésie, elles ont une relation culturelle, je le disais, depuis très longtemps. Récemment, les relations entre la France et l'Indonésie se sont énormément renforcées. L'Indonésie est devenue un pays très présent sur la scène internationale également. Et donc, en matière culturelle, encore une fois, il faut que nous travaillions pour mieux faire connaître la France en Indonésie et pour mieux faire connaître l'Indonésie en France. Je pense que c'est très important. C'est ce que nous faisons avec nos événements. Donc, je cite quelques événements. Le 17 novembre, du 17 au 26 novembre, le festival Cinema Prancis, qui va montrer des films français en Indonésie, avec la venue d'acteurs, avec la venue de metteurs en scène, de films qui viennent de sortir en France, comme Encore de Cédric Clapiche, ou Le règne animal de Thomas Caillé. Donc nous aurons des acteurs, des réalisateurs qui vont venir pour ce festival du film. Et puis évidemment, mon message, c'est aussi d'apprendre le français, qui est une langue parlée dans le monde par plus de 320 millions de personnes dans 35 pays différents. Le français, c'est avec l'anglais une langue internationale parlée dans le monde entier. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir encourager l'apprentissage du français dans les universités et évidemment dans les instituts et les alliances françaises. Monsieur Jules Hirman, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Donc, chers auditeurs, je crois que c'est tout pour notre occasion.
la discussion parlant du rôle de l'IFI dans les échanges culturels franco-indonésiens. Merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Voice of Indonesia.